Face à une montée d'incivilité dans cette paisible commune du sud de Toulouse, la municipalité a décidé de prendre des mesures drastiques. Une décision nécessaire, selon le maire. La délinquance est importante, mais elle n'est pas dramatique. Par contre, on assiste à une progression récurrente des incivilités de la vie quotidienne, des chahuts, des petites agressions physiques, des petits vols qui empoisonnent la vie des honnêtes gens. Une décision qui ne laisse pas les habitants indifférents. Ça peut effectivement être une manière de lutter contre ce problème des enfants qui traînent dans les communes comme ça, tard le soir et n'importe quel jour de la semaine. Au lieu de mettre ça, faire tourner plus souvent la gendarmerie ou quelques policiers municipaux à mettre en place, ou peut-être plus avant d'aller dans la répression directement, quoi. Je pense que c'est pas lui à instaurer ça, je pense que c'est aux parents à s'occuper de leurs enfants et à décider si les enfants sortent ou pas. Cette mesure sécuritaire tend à responsabiliser les parents sur la surveillance de leurs enfants. Cette proposition sera étudiée lors d'un prochain conseil municipal.